Allez, nouveau jingle. Allez, c'est parti. Allez, toujours super départ. Gonnet, Colomban. Alors, est-ce que Romain Gioffre à l'intérieur là-bas? Ah, il a un peu de retard, Romain Gioffre, là, sur ce départ. Il est 5. J'ai l'impression. Il est 5, voilà, Martinez, Gioffre. Ouais, ça reste comme et ça. Et en attendant, vous avez pu remarquer comme moi que Luc Sevarna, numéro 4 de Vivien Gonnet, ça motrice comme c'est pas possible. Ah ouais, ils ont fait du super boulot. Ah, et il est devant, une nouvelle fois. Le maillot jaune en tête de cette super finale de la MV Cup avec à ses côtés Julien Colomban. Attention, parce que Julien Colomban, s'il arrive à prendre la roue de Vivien Gonnet, c'est pas gagné l'affaire pour Vivien Gonnet. Ils se connaissent bien, ils habitent pratiquement dans le même village. Il fallait pas un tour de plus, je pense. Non, il fallait pas un tour de plus. Donc attention, il n'y a qu'un truc qui peut jouer, c'est peut-être le physique là-dessus. Ouais, puis Vivien a mal, est blessé au dos, il est tombé ce matin. Ah oui, donc attention là. Je l'ai emmené voir Max, l'ostéo. Il va donner un cachet. Donc. Alors, on a Gonnet, Colomban, Gioff, Martinez, Ligon, Brancy, Montgarny, Jonathan, Reynaud, Roche, Valla, Duvert, Maïc, Montgarny, Arthur et Cavalieri. Ben non, il n'y a pas la Cavalierie, je crois. Tu m'as dit qu'il n'avait pas. C'est Véronèse et Ortega. D'accord. Ah oui, c'est Véronèse. Allez, on va suivre devant. Le Julien Colomban, il est chaud. Hein. Ah bah oui, regarde le freinage là-bas. Il y avait 7 dixièmes. Là, on est chute en encore. Jaune, apparemment. Ouais, non, c'est qu'il est au ralenti. C'est Pidou. Voilà. Allez. Et là, on va voir, on est sur le ciment là-haut, donc il faut se mettre à l'extérieur parce c'est chaud, que c'est intenable. C'est dangereux. Hein. Et là, on va voir si l'écart a diminué. Il y avait 7 dixièmes entre l'homme de tête, Vivien Gonnet, et le deuxième, Julien Colomban. On va voir si l'écart a changé dans le deuxième. Ouais, il est pareil, 6 dixièmes, un peu plus de 6 dixièmes entre les deux pilotes. Alors, on voit là, Colomban qui fait l'extérieur pour venir refermer ensuite. Ah, il est revenu dans les roues là. Ouais. Et attention, Romain Gioffre, troisième. Hein. Ouais, Romain Gioffre, attention. Du coup, Nigon a dû avoir dû sortir. Et vous avez vu qu'en faisant l'extérieur, il est revenu au contact. Julien Colomban, là, il est dans les roues de l'homme de tête. Et Romain Gioffre qui revient avec le record du tour pour Julien Colomban en 48-0 dans le tour 2. Alors, on va avoir une fin. Ça va être top. Hein. Alors, est-ce que Romain Gioffre va venir. Oh là, il est tout prêt, Romain. Il va y arriver, là. Il était à 2 secondes. Allez, Romain. Il est dans les roues pratiquement des deux hommes de tête. Allez, Romain. Avec toujours. Allez, j'ai l'impression que Vivien Gonnet en a remis un petit coup là. Un petit coup, c'est vrai. Il y avait 6 dixièmes. Est-ce qu'il y aura toujours 6 dixièmes au passage? Il y a 9 dixièmes maintenant. Ouais. Il a repris. Mais regarde la trajectoire de Colomban. Ouais. Il fait tout à l'extérieur ici et il revient, replonge. Tac. Complètement différent. Et Romain Gioffre est revenu. Il échappe l'arrière, c'est dommage. Il était revenu, à quelques dixièmes de seconde de Julien Colomban qui était juste devant lui. Et pour l'instant, on a toujours ce trio magique. Ouh, c'est chaud. Julien Gonnet, Julien Colomban, Romain Gioffre. Allez, la descente dans quelques instants, le haut du circuit. Là, c'est là où est le ciment, vous voyez. Il faut absolument rester extérieur pour ne pas glisser. Et là, on est dans la descente et la compression. Là, je peux vous dire que pour tout l'or du monde, je ne monte pas derrière. Là, la compression, c'est terrible. Le virage à droite, ensuite, il commande la ligne d'arrivée. On passe déjà au quatrième tour de cette super finale. Et Vivien Gonnet qui s'échappe. Il a maintenant pratiquement le même 9 dixièmes. Il n'arrive pas à s'échapper. Romain Gioffre qui est revenu. Romain Gioffre qui revient. Romain. Ah, il est tout prêt. Alors, attention de ne pas échapper derrière, comme tout à l'heure, Romain, là. Et ça va te permettre de revenir peut-être. Ah, mais non, ça motrice bien aussi. Du côté. Ça motrice plus. Ah, la Sherco. La Sherco motrice plus un peu plus. Ouais. Ah, c'est une moto française, un Cocorico, la moto de Julien Colomban. Fabriqué dans la région d'Alès, même à Alès d'ailleurs, ces motos françaises. Et en attendant, Vivien Gonnet est largement installé. Attention de ne pas perdre l'avant là, sur cette ornière pour Vivien Gonnet qui est en tête. Ah, mais, Romain Gioffre, c'est magnifique la sortie super, du virage là-haut. Super, mais pour l'instant, il a le record du tour. Ouais. 47-2 pour Romain Gioffre. Ah, c'est pas étonnant. Bon, ça lui amène rien, c'est dommage. Mais non, mais bon. Allez, encore dernier tour. Vivien Gonnet est là. Ouais. Et Julien Colomban qui cherche l'ouverture et sa balade, ça attaque de tous les côtés. Pour le 51, Julien Colomban, deuxième pour l'instant. Vivien Gonnet qui maîtrise parfaitement dans ce dernier tour. Oh, là, c'est énorme la course entre les deux là. Toujours à l'avantage de Vivien Gonnet. Les deux pilotes de Briançon se tirent une bourre phénoménale. Toujours c'est à l'avantage de Vivien Gonnet qui va peut-être faire le grand chelem une nouvelle fois. Il reste encore un peu plus d'un demi-tour. Attention, il y a un retardataire. J'ai pas vu qui c'était. Ouais. C'est peut-être Sébastien Pidou ou Arthur Montgarny. J'ai pas vu. Il va se garer pour laisser passer les fusées de la MV Cup. Et Vivien Gonnet dans le dernier virage dans quelques instants. Voilà, on y est dans le dernier virage. Allez. Et on va passer la ligne. On va se mettre sur la roue arrière. Une nouvelle victoire
Nouvelle victoire de Vivien Gonnet qui fait le grand chelem. Trois courses, trois victoires. Deuxième place pour Loïc Colomban. Et la troisième, elle est pour Romain Gioffre qui doit se mordre les doigts d'avoir raté sa première course. Ensuite, on va avoir Grégoire Martinez. Oui, dommage qu'il rate le podium pour 2 points. C'est dommage. Et Colomban, 6 et 2, 10. Ouais. Nigon qui fait 5. Donc on aura sur le podium la victoire une nouvelle fois de Vivien Gonnet qui fait carton plein. 3 finales, 3 premières places. Ensuite, on aura, ça sera 5 et 3, 8 et 2, 10. Et donc, à égalité. Colomban. Colomban-Nigon. Colomban-Nigon, c'est le dernier.